Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch pour créer des lobbies en multijoueur. Mais cette fois-ci dans cette méthode, vous n'aurez même pas besoin d'une souris. Parce que dans l'ancienne méthode je vous ai dit qu'il fallait une souris de PC pour le faire. Ben en fait, grâce à mon poteau Johnny34 qui y a pensé, on a fait un test et ça fonctionne même sans la souris. Mais il y a 2-3 trucs qui changent dans la manipulation. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors il faut savoir que grâce à ce lobby, vous allez pouvoir débloquer votre camouflage Dark Matter Ultra, vous allez pouvoir monter vos armes niveau max, vous allez pouvoir gagner des XP, débloquer les cartes de visite, débloquer tout ce que vous voulez en mode multijoueur. Alors la seule chose que vous avez besoin, c'est d'un ami. Donc si vous n'avez personne avec qui le faire, ben n'hésitez pas à mettre en commentaire votre gamer tag ou votre pseudo console genre Xbox ou PlayStation, comme ça vous allez pouvoir trouver une autre personne. Alors si jamais ça vous intéresse, je mettrai un lien vers un Discord où justement vous allez pouvoir trouver des joueurs. Donc le lien sera en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors quand vous arrivez sur ce Discord, donc que je vous montre à l'écran, ce que vous allez devoir faire pour trouver un joueur, c'est d'aller ici à gauche et chercher le salon qui est recherche de joueurs. Donc c'est un petit logo avec un écran de PC, on dirait, un PC portable. Donc ici, ben vous demandez s'il y a quelqu'un qui est disponible pour vous aider à faire le glitch. Et comme ça, ben vous allez pouvoir le faire avec lui. Alors je tiens à préciser aussi que quand vous faites un lobby, vous êtes tous les deux bénéfiques. Parce que vous pouvez vous tuer tous les deux 29 fois. Ensuite, la 30e fois, ben ça mettra fin au lobby et il faudra le recréer. Alors si vous êtes à 3, à 4, à 5, ben chaque personne fait 29 kills. Et ensuite, ben une personne fait le 30e kill pour mettre fin au lobby et le relancer. Donc ce glitch vous permet de level up ensemble. Donc ça, c'est assez cool. Alors c'est parti pour le tuto. Alors déjà, il vous faudra une deuxième personne. Donc quand vous êtes à deux personnes, la première personne, ce qu'elle va devoir faire, c'est d'aller dans multi, après dans partie personnalisée, ensuite dans changer mode, puis aller dans mêlée générale. Et quand vous êtes dans mêlée générale, vous ne touchez plus à rien. C'est à ce moment-là que le deuxième joueur va rejoindre une partie personnalisée en multi et ensuite va vous inviter une fois. Quand il vous a invité une fois, vous cliquez sur l'invitation rapide. Donc là, vous n'acceptez pas. Vous attendez qu'il vous invite une deuxième fois. Quand il vous a invité une deuxième fois, là, vous acceptez et vous spammez triangle, 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 triangle pour réouvrir la deuxième invitation. Quand ceci est fait, vous allez dans les informations du joueur. Quand vous êtes dans les informations du joueur, le joueur 2 va devoir quitter la partie personnalisée pour se retrouver dans le lobby multijoueur. Mais il doit partir en groupe une première fois et ensuite il doit partir seul. Quand il est parti seul, l'invitation du premier joueur va disparaître et il sera sur le menu partie personnalisée. Donc là, le deuxième joueur va le réinviter. Le premier joueur affiche l'invitation, mais n'accepte toujours pas. Il attend que le deuxième joueur le réinvite une deuxième fois. Et quand le premier joueur reçoit la deuxième invitation, c'est là que le premier joueur accepte et spam triangle, triangle, triangle pour afficher la deuxième invitation. Donc c'est la même manip que précédemment. Alors quand la deuxième invitation est affichée, ben vous allez dans les informations du joueur et là le deuxième joueur va quitter en groupe et puis va quitter seul. Il se retrouvera dans le lobby multijoueur, zombie, campagne, etc. À ce moment-là, le deuxième joueur réinvite le premier joueur. Le premier joueur affiche l'invitation. Ensuite, le deuxième joueur le réinvite. Le premier joueur reçoit la deuxième invite, donc il accepte et il spamme triangle pour afficher la deuxième invitation. Et ensuite, il va dans informations du joueur. À ce moment-là, le premier joueur va aller dans zombie. Et là, le deuxième joueur va devoir créer une partie privée en contagion. Alors, si le deuxième joueur ne peut pas lancer de partie privée, vous allez devoir tous les deux relancer votre jeu. Donc, vous quittez et vous recommencez. C'est possible qu'il faut réessayer 2-3 fois pour que ça fonctionne. Parfois, il y a des bugs, je sais pas pourquoi, mais le deuxième joueur ne peut pas lancer de partie privée. Donc, quand ça a fonctionné, ben, le joueur lance une partie privée en contagion. Ensuite, il quitte le groupe seul. Et là, le premier joueur clique sur mêlée générale, il accepte la confirmation et ensuite la partie va se lancer sur la map Moscou en multijoueur en mêlée générale. Donc bien entendu, le deuxième joueur, quand il a quitté le groupe seul, ben rejoint directement instantanément après pour rejoindre le lobby avant que la partie se lance et d'autres personnes peuvent rejoindre à ce moment-là. Donc si vous êtes 3, si vous êtes 4, essayez de tous rejoindre à ce moment-là. Donc logiquement, ça devrait fonctionner à plusieurs. Donc voilà, quand la partie va se lancer, vous aurez un compte à rebours de 10 minutes. Vous pourrez faire maximum 30 kills par personne. Et après, ce sera la fin de game. Donc là, vous vous équipez des armes que vous voulez monter. Ou vous vous équipez des armes que vous voulez débloquer, les camouflages. Ou alors les cartes de visite, etc. Pour justement faire les kills dans le lobby. Et ensuite, essayer de débloquer le camouflage, les cartes de visite, etc. etc.
Donc voilà, à la fin de la partie, vous allez recevoir un message d'erreur. Là, ben, vous acceptez le message d'erreur et ensuite, ben, vous allez dans vos classes et vous verrez que vous avez débloqué tout ce que vous avez fait dans le lobby. Alors pour vous prouver que ça a bien fonctionné, moi je quitte carrément le jeu et je le relance. Comme ça, vous voyez bien que les camouflages que j'ai débloqués dans le lobby sont toujours disponibles sur mon compte. Alors je tiens à préciser que vous pouvez aussi débloquer les armes spéciales qui vous demandent de faire des défis spéciaux pour justement débloquer les armes. Alors ben ça, vous pouvez le faire aussi dans le lobby. Donc n'hésitez pas à en profiter, comme ça vous débloquez toutes les armes du jeu. Et dernière petite information que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que si vous vous invitez et que vous ne recevez pas l'un ou l'autre les invitations de votre ami, ben n'hésitez pas de relancer l'application, ou si vous ne les recevez toujours pas, ben vous vous supprimez de votre liste d'amis et puis vous vous réinvitez et vous relancez l'application pour réessayer. Logiquement, ça devrait fonctionner. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont des problèmes d'invitation, donc c'est pour ça que je vous le précise. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.